Vanessa Moraes, como estás? C'est Belle Claire. J'espère que vous allez super bien. Moi, j'ai la pêche. Merci à tous ceux qui me suivent et partagent mes vidéos. Et si vous êtes nouvelle, nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas de vous abonner car c'est gratuit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un mélange super hyper éclaircissant pour les mains et pieds. Cette lotion va nous aider à réparer et maintenir notre peau toujours claire, même après le peeling. Elle va nous aider à retirer les taches des phalanges, les mains froissées et autres. C'est une très bonne composition à utiliser le soir quand vous êtes prêt à vous coucher, c'est-à-dire terminer vos travaux ménagers. Les enfants sont déjà couchés, vous êtes prêt à aller au lit. C'est en ce moment-là que vous prenez votre crème à votre chevet, vous appliquez sur votre pied de forme circulaire et sur votre main, et puis vous vous mettez au lit. Vous pouvez l'utiliser sur le corps. Voilà, nous aurons besoin de notre crème extra gloss. Je sais pas si vous voyez là. Entre 2 cuillères, comme je vous ai dit, dans mon bol, comme ceci, fait à base de glycérine et d'huile d'argan. Très bonne pour la peau. Nous allons ensuite prendre notre lait éclaircissant touche clair 7 jours résultat visible. Voilà, comme vous voyez, je vous montre bien. Voilà, cette crème va nous apporter douceur, fermeté, éclat. Elle va nous harmoniser le teint, illuminer, éclaircir, tout en prévenant la peau, en lui donnant un teint uniforme. Donc voilà, je vais prendre également 2 bonnes cuillères. Ensuite, nous allons prendre notre piment doux. Je crois que tout le monde sait ce que c'est que la crème dermatologique piment doux. Voilà, nous allons prendre notre tube. Là, je vais prendre, dans ce cas, je vais prendre la moitié de mon piment doux, de mon tube. Je vais prendre comme la moitié, bien le mélanger. Notre crème bien mélangée, regardez, belle couleur, j'adore. Ensuite, nous allons prendre notre duo anti-tache gommant super éclaircissant de chez Abidjanès. Voilà, vous voyez. Nous allons d'abord bien secouer. Elle va à tout type de peau, nettoie les zones rebelles, les taches disparaissent. Nettoie les zones rebelles, les taches disparaissent. La peau devient lisse, douce, claire et lumineuse. Élimine en douceur de façon radicale les taches pimenteuses et rebelles. Tendons, coudes, doigts, orteils, genoux, jambes. Gomme et hydrate, éclaircit la peau. Donc nous allons prendre 1 cuillère, voilà, de celle-ci. Je vais mettre comme ceci, et nous allons prendre également 1 cuillère de l'autre. Voilà, ensuite nous allons bien mélanger.
Voilà notre crème bien mélangée. C'est pas facile de la mélanger hein, parce qu'elle ne doit pas avoir des grumes. Donc, il faut prendre son temps pour bien mélanger, pour qu'elle reste bien lisse comme ceci. Le fameux Mackenzie, un véritable uniformisateur de teint, spécial pour les taches disgracieuses et les points noirs, impossible à faire disparaître. Ouais. Donc, nous allons utiliser une cuillère. D'accord? Voilà, une métisse, mais bon, comme moi, mon objectif, ce n'est pas d'éclaircir les tâches que j'ai. Si vous avez remarqué sur mes vidéos, il y a des moments où je brunis, je suis très très claire, et des moments où je suis métissée, des moments où je suis un peu plus noire. Je le fais expressément parce que mon but ici, ce n'est pas de blanchir mon. Je sais pas comment vous expliquer. Mon but ici, ce n'est pas d'éclaircir. Mon but ici, c'est de combattre contre les taches de brûlure que j'ai eues. Pourquoi? Parce que mes brûlures, non, ce sont pas des brûlures de feu comme ça là que j'ai eues, ou bien les taches d'acné, ou les taches de blessures que j'ai eues comme ceci là, ou encore je me suis fait mal, ou bien juste que je suis en train de que j'ai utilisé un produit et puis ça m'a gâté la peau et je suis en train de la réparer. Non, mon problème ce n'est pas ça. Moi j'ai eu une forte allergie médicamenteuse, je le répète pour des nouveaux, mes nouveaux abonnés, qui s'appelle syndrome de Steven Johnson et Lyle. Comme je vous dis toujours, faites vos recherches, vous entrez dans Google, vous écrivez syndrome de Steven et Lyle, vous allez voir la signification de ça. Donc, ce qui fait que j'ai été brûlée de l'intérieur à l'extérieur, ce que vous voyez au-dessus sur ma couche là, je l'ai eu à l'intérieur également, donc de l'intérieur à l'extérieur. Donc, je suis en train de me faire traiter. C'est un cas qui va pas disparaître d'un coup comme ça là. Par contre, si vous avez un bouton que vous avez percé là et ça vous a laissé une tache, oui, c'est facile à traiter. Si vous avez une cicatrice d'une blessure, oui, c'est facile à traiter. Si vous avez été brûlé par le feu et puis ça vous a laissé une cicatrice, oui, c'est facile de traiter. Si vous avez et autre autant de choses, c'est facile à traiter, mais tel n'est pas mon cas. Tel n'est pas mon cas. Je ne cesserai de vous dire, ne confondez pas les miens. Chacun a ses problèmes là dehors et tout ça là. Donc voilà, et j'aimerais bien fermer ce sujet là, mais toujours ça revient toujours. Regardez ses mains, regardez ses tâches, regardez si elle nous présente ceci, regardez blablabla et tout ça et tout. Et je suis toujours obligée de revenir sur ce sujet là. Non. Alors, j'aimerais bien clore ce sujet parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup traumatisé, qui m'a beaucoup affecté et qui continue à m'affecter. Donc, arrêtez un peu de tordre, de mettre le couteau sur la blessure, je vous en prie. Donc, je m'efforce beaucoup. Regardez-moi ce mélange. Regardez. Oh mon Dieu. Regardez. Donc ensuite, nous aurons besoin. Pardon, je m'excuse. Donc comme je disais tantôt, je le fais expressément parce que mon problème n'est pas d'éclaircir. Mon problème, c'est d'attaquer ces points noirs-là. Donc quand je vois que j'éclaircis trop, je laisse tomber. Donc quand je dis laisser tomber, c'est-à-dire je n'arrête pas le produit. Je fais atténuer. Donc je fais... comment expliquer? Je diminue le produit éclaircissant parce que j'essaie de laver, de retirer mes tâches. C'est ça mon problème. C'est ça qui est mon but, pas éclaircir.
Et je vous présente, donc pour ceux qui veulent éclaircir, vous en profitez. Et voilà, donc, mais pour moi, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça, parfois, vous allez me voir trop blanc, trop clair. Et parfois, vous allez me voir marron. Parfois, vous allez me voir un peu noir. Tout ça, je le fais expressément. Donc, je baisse mes produits, je fais tout ça comme j'ai toujours. Écoutez votre corps. Apprenez à écouter votre corps. Et comme je dis toujours aussi, ça se soigne de l'intérieur à l'extérieur. Comme moi, j'ai été brûlée de l'intérieur à l'extérieur. Je me soigne de l'intérieur à l'extérieur. Mais ça ne me concerne pas moi seule. Ça vous concerne vous aussi, mes chéris. Pourquoi? Parce que le corps humain est comme une voiture. Le corps humain est comme une voiture. Vous n'allez pas laver votre voiture extérieurement et que l'intérieur est sale. Vous ne l'avez pas vidangé. Vous n'avez pas changé de l'huile de votre voiture. Tout ça là. Donc, c'est un peu pareil avec notre corps. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique. C'est un peu pareil. Pour moi, c'est la même chose. Quand je vous demande souvent, buvez 1 litre à 2 litres d'eau par jour et tout ça là, vous allez dire, mais celle-là, elle est folle ou quoi? Non. C'est important. Quand je dis les 2 litres, c'est de l'eau, peut-être du thé. Vous pouvez alterner ça avec du thé, avec des boissons et tout ça. Pas des boissons sucrées. Quand je dis des boissons, ça peut dire du jus d'orange naturel pressé et tout ça. Tout ça, ça peut vous combiner, mélanger avec de l'eau. Toute la journée, ça peut vous faire 2 litres ou 1 litre et demi du thé et tout ça, et puis de l'eau et tout. Donc, je ne dis pas que vous prenez seulement 2 litres comme ça, vous buvez. Non. Essayez de comprendre un peu la chose. Il y a des tisanes qui soignent intérieurement. Il y a beaucoup de choses qui soignent intérieurement pour l'extérieur. D'accord? Parce que tout ce que vous faites intérieurement, ça se reflète à l'extérieur. D'accord? Donc, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vous expliquerai mieux. Donc, là, nous allons avoir notre lotion rapide 7 jours. Une lotion éclaircissante pour les mains, pieds, jambes. Et c'est un bon cicatrisant aux acides de fruits. 7D. Voilà. Nous allons prendre une cuillère. Voilà, nous allons prendre une cuillère. Comme pied, elle va éclaircir les pieds et mains et jambes et des cicatrices. Elle est faite à base de fruits, des acides de fruits. Débarrasse tout ce qui est les cicatrices, les taches noires, brunes et les boutons. Elle unifie le teint et des pigmentations. Mon huile de poisson qui est très très vitale pour la peau, riche en oméga 3, EPA et DHA, riche en vitamine D, A et E. Les oméga 3 permettent une bonne oxygène à nos cellules et par conséquence agissent sur notre épiderme, favorise une bonne hydratation et prévient certaines maladies de la peau, rend la peau souple, élastique et régénère une protection naturelle contre les brûlures solaires. Voilà. Donc, je vais venir rajouter 2 capsules. Vous pouvez rajouter aussi votre vitamine E, mais là, je préfère. Donc, je vais venir couper comme ceci. Voilà ma deuxième capsule. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle va vraiment vous aider. Je vous aime très très fort. Nos vemos muy pronto. Adiós.